Je te montre un petit tour de petit paquet, tu vas voir, tu vas bien aimer. C'est un tour qui sert avec quelques cartes, je vais t'en montrer. Alors, tout à dos bleu, comme tu peux le constater. Par contre, les cartes ne sont pas des cartes normales, ce sont des cartes à face blanche. Et en fait, alors, ce ne sont pas que des cartes à face blanche, j'ai également un as de cœur qui traîne en fait entre les 8 cartes blanches. Et cet as de cœur est assez magique, tu vas comprendre pourquoi. Je vais poser 4 cartes, donc face blanche, face en l'air, d'accord ? 4 cartes à face blanche, face en bas, et un as de cœur. Et ce qui est assez étonnant, c'est que si je ramasse tout ça, et que je mets l'as de cœur en contact avec les cartes blanches, si on attend un petit peu, par effet de mimétisme, mais c'est vrai, l'as de cœur en contact avec les cartes blanches, maintenant deviennent toutes des as de cœur. J'ai le premier, j'ai le second, et forcément, j'ai le suivant, et bien sûr, j'ai l'avant-dernier, et encore une fois, le dernier. C'est bizarre, hein ? Par contre, là où ça devient encore plus bizarre, c'est que les cartes qui étaient elles toutes blanches, si je mets l'as de cœur en contact avec les cartes blanches, regarde, par-dessus comme ça, si on attend un petit peu, encore une fois comme ce paquet-là, par effet de mimétisme en fait, maintenant toutes les cartes se transforment en as. Quand je dis vraiment toutes en as, c'est vraiment toutes. La première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la dernière. C'est bizarre. Hein. Et ce qui est assez encore plus étonnant, c'est que j'ai vraiment toutes les cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Toutes les cartes sont maintenant que des as de cœur. Par contre, là où c'est encore plus donnant, c'est que... Vas-y, claque des doigts. Non, une seule fois. Parce que là, maintenant, c'est revenu en arrière. Ouais, c'est mieux. Et bien là, si on attend un petit peu, on se rend compte que maintenant, tous les as, en fait, ne sont pas que des as de cœur, mais des as normaux. Car j'ai l'as de cœur, l'as de trèfle, l'as de carreau, l'as de pique, et notre fameux as de cœur. C'est bizarre, hein. Par contre, c'est vrai qu'en poker, gagner avec des as, c'est bien. Mais gagner avec une quinte cloche royale... C'est mieux. Bizarre, hein ? Bizarre, bizarre. C'est pas mal, quand même. Très joli. Bravo. Voilà un tour de petit paquet qui est très, très joli. Que des bonheurs. Exactement.